Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Sacha Nobis. Alors, je fais cette nouvelle vidéo pour vous montrer un peu comment on fait un deck Pokémon, donc comment on fait un deck pour, en fait, pour faire des combats. On utilise les decks pour faire des combats, voilà. Alors, tout d'abord, il faut des Pokémon. Oui, parce que s'il n'y a pas de Pokémon, on peut pas combattre. Voilà, là, j'ai le Dardarian, mais voilà, si on n'a pas de Pokémon, on peut pas combattre. Il faut des énergies. Pourquoi des énergies? Tout simplement parce que là, je vais reprendre mon Dardarian. Ici, vous voyez, là, il y en a. Et là, il y a trois petites énergies. Et ici, il y en a une. Si vous attachez une énergie, par exemple, là, une énergie plante à Dardarian, il pourra utiliser Piqueur Vive. En fait, les énergies, c'est... Comme son nom l'indique, en fait, c'est une énergie. Ça sert à augmenter l'énergie du Pokémon. Et du coup, plus il en a, après, plus pour attaquer puissant. Plus il sera puissant pour attaquer, pardon. Alors voilà. Et dernière chose, pour un peu piquanter notre deck, il y a les cartes dresseurs, supporters et stades, où je reviendrai à la fin dessus. Donc, pour commencer, là. Les familles, enfin les Pokémon. Là, vous voyez, j'ai Aspicot, Oconfort et Dardarian. Si vous faites attention, ils ont tous les trois le même symbole. J'ai fait exprès de mettre les familles avec le même symbole. Là, vous voyez, j'ai encore Dardarian, Aspicot, Oconfort. Enfin, vous avez pas pu le voir. Voilà, Oconfort et Aspicot avec le Dardarian. Et c'est pareil, trois fois le même symbole. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est prendre des familles. Pas forcément avec le même symbole, mais prendre des familles. Donc là, j'ai la famille Dardarian, Oconfort, Aspicot. Dardarian, Oconfort, Aspicot. La Dardarian, Oconfort, Aspicot, toujours le même symbole. Alors, pourquoi je prends trois Dardarian différents? Tout simplement parce que même s'ils sont du même symbole, quand on les joue, on peut mettre, par exemple, alors, attendez, je vais poser celle-là, par exemple, on peut mettre le Oconfort de Soleil et Lune, donc avec ce petit symbole-là, sur un Aspicot, avec ce symbole-là. C'est pour ça que j'en prends trois, comme ça, si y a un Aspicot, un Oconfort ou un Dardarian qui ne vient pas tout de suite, ben, je pourrais quand même améliorer, enfin, mettre les évolutions sur des petites bases différentes. Bien sûr, j'ai pas le droit, par exemple, là, vous voyez, là, j'ai Majaspic, j'ai pas le droit de mettre Majaspic sur Oconfort. Ça, c'est pas... Là, j'ai pas le droit. Et de toute façon, personne n'a le droit de faire ça. Voilà, là, j'ai la famille Majaspic, Lianaja, Vipellière, la famille Blindépic, Bogueris et Maharisson, la famille Archéduc et Flèche et Brindibou, et la famille Junko, Masco et Arco. Alors, c'est pas tout ça, mais pour que mes Pokémon attaquent, il faut des énergies. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un bon paquet d'énergie. Je les ai comptées, je crois qu'elles sont au nombre de 45. C'est beaucoup trop. J'en ai pris vraiment plus qu'assez. Tout simplement parce qu'un deck doit être composé de 60 cartes. Donc environ 30 énergies, environ entre 10 et 15 cartes dresseurs, et le reste c'est des Pokémon. Alors, on va faire famille par famille. Donc là on a Dardarian, Oconfort, Aspicot. Ils demandent qu'une seule énergie chacun. Donc on va mettre une seule énergie plante derrière. Et là, notre famille, on va dire, elle est prête pour être dans le deck. Là, Dardarian, Aspicot, Oconfort, ou Dardarian, Oconfort, Aspicot. Là, il faut une énergie, mais à partir... là aussi, il faut une énergie. À partir de Dardarian, il faut deux énergies. Il faut toujours mettre le maximum d'énergie qu'on a besoin. Sinon, on n'en aura pas assez et ce sera pas bon pour le deck, tout simplement. Donc là, on prend deux énergies plantes, on les met derrière, et là la famille elle est prête.
On a la troisième famille, Dardarnian, Coconfort, Aspicot. Là, on a besoin d'une énergie. Là, on a besoin d'une énergie. Et là, on a besoin de trois énergies. Donc là, il faut que je prenne trois énergies plantes. Une, deux et trois. Voilà. Famille de Dardarnian opérationnelle. Ensuite, on a notre famille Majaspic, Lienaja, Vipellière. Là, on a une énergie. Donc là, il faudrait une énergie, mais là, il en faut deux. Donc, pour l'instant, on reste sur deux. Là, pareil, il y a un et deux. Et là, il en faut deux et deux. Donc, faut prendre deux énergies. Une et deux. La famille de Majaspic, c'est fait. Faut vous dire que les énergies, en fait, c'est un peu comme nous, la nourriture. Si on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'énergie, au final. Vous voyez? Donc, pour les Pokémon, c'est pareil. Ils peuvent pas attaquer s'ils n'ont pas d'énergie. Là, plein d'épic, Buggeris, Marisson, 1, 2. Là, 2, 3. Donc là, c'est 3 qu'on va retenir. Et là, 3, 4. Donc là, il faut 4 énergies. Il faut éviter de mettre trop de Pokémon avec beaucoup d'énergie, sinon vous ne pourrez pas mettre beaucoup de Pokémon. Et ce sera pas bon pour votre deck. En fait, plus vous avez de famille, mieux c'est. Donc là, attendez, j'ai combien d'énergie? 1, 2, 3, 4. Je vous expliquerai pourquoi c'est pas bon d'avoir pas beaucoup de Pokémon. Avant-dernière famille, là. Brindibou et Flèche, Archiduc. Donc là, une, deux. On retient deux. Là, toujours deux. Et là, toujours deux. Donc là, j'ai pris cette famille parce que je la trouve plutôt pas mal. Là, Archiduc, il est plutôt puissant. Et il faut que deux énergies pour attaquer. Donc, par contre, faites très attention quand vous choisissez vos familles. Faites très attention à ce qui est marqué ici, parce que des fois ça peut vous désavantager. Alors là, j'ai pris le type plante, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de chances que, par exemple, j'ai des attaques qui me retirent des dégâts, parce que par exemple, les types combat, roche ou sol, il y a beaucoup d'attaques comme charge imprudente, ça fait du 50, mais soit on lance une pièce et le Pokémon s'inflige 30, soit il s'inflige tout de suite 30. Une fois qu'il a attaqué. Donc ça, j'évite de faire des decks comme ça parce que ça fait très mal et ça affaiblit le deck au final. Pour rien. Enfin, si, pour bo faire bobo à l'adversaire, mais voilà, c'est pas trop cool. Bon alors, dernier. Alors, Arco, une énergie, deux énergies. On retient les deux énergies. Là, on a besoin que d'une. Ça qu'on va quand même prendre deux. Parce que là, pour Arco, il en faut deux. On va pas en prendre une, sinon après, bah, il en manquera une. D'énergie dans le deck et Arco ne pourra pas attaquer. Donc là, une et là, une. J'ai aussi pris un Pokémon avec un talent parce que des fois ça peut beaucoup aider. Là, ça peut beaucoup aider. Donc là, voilà. Évitez tous les dégâts infligés par les Pokémon des Ultra Chimères de votre adversaire à vos Pokémon auxquels de l'énergie plante est attachée. Ouais, donc, je trouve que c'est assez bien parce que si l'adversaire a des Pokémon Ultra Chimères comme Kablifer, Bamboisel ou autre, et ben si on a de l'énergie qui est attachée à Junko ou aux autres, et bien on reçoit aucun dégât. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai encore beaucoup d'énergie et j'ai utilisé toutes mes familles. Donc les énergies là, elles me serviront plus à rien. On va compter le nombre de cartes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Ah, j'ai oublié les deux énergies pour la famille Junko, Masco et Arco. Excusez-moi. Donc là, du coup, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, j'ai pas encore fini, il me reste encore ça. Mais quand vous avez vos familles et vos énergies qui sont prêtes, il faut environ que vous arriviez vers le nombre de 45, parce qu'après, comme je vous l'ai dit, les cartes supporters, objets supporters et stades, il faut pas qu'elles dépassent 15, parce que sinon elles sont trop nombreuses. Donc là, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Wow, 37, c'est pas beaucoup. Bon, vous savez quoi? On va rajouter, parce que 37, ça veut dire que on a encore
23 cartes à mettre. Alors, du coup, on va reprendre les énergies plantes. Et sur ce, excusez-moi, j'ai tapé ma caméra. Et dans certains decks, dont, en fait, chaque fois que vous en achetez un, c'est quasiment tout le temps pareil. Eh bien, vous avez des Pokémon qui n'évoluent pas. Il n'y a pas besoin d'évolution, en fait. C'est des Pokémon plutôt sympas. Alors, là, je regarde mes types plantes, j'en ai pas beaucoup, beaucoup. Ouais, je crois que je vais prendre celui-là. Attendez, hein, je vais vous montrer après. Voilà, je vais prendre celui-là et celui-là. Pour l'instant, on va voir combien on va finir par avoir. Alors, je vais prendre Vortante. Donc là, un Pokémon qui n'évolue pas. Escarino. Donc certes, il a la méga évolution, mais ça, là, c'est pas mentionné. C'est base et c'est seulement base, Escarino. Donc voilà. Alors, Vortante. Hop, deux énergies pour Vortante. Et du coup, on était à 37, et là on finit 40 à 40. Voilà. Ici Scarino, très puissant. Là, il faut 3 énergies, donc on met hop, 3 énergies, et là on arrive à 44. Arrivé à 44, là on pourrait se dire ouais, on va prendre les cartes dresseurs, mais c'est encore beaucoup 16. Enfin, je trouve que c'est beaucoup. Alors, ce que vous pouvez faire, parce que il y a quelque chose qu'on appelle le coup de retraite, donc là, ici, qui sert à changer de Pokémon actif. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Là, c'est marqué retraite. En fait, c'est le coup de retraite. Ça sert à changer de Pokémon actif au cours de la partie. Mais pour ça, il faut défausser deux énergies du type. Alors, bien entendu. Là, ce que je vous ai pas dit depuis le début où j'ai fait mes familles, c'est que regardez là. Là, j'ai énergie incolore ou énergie normale. Et ici, deux énergies plantes. Il y en a certains qui vont me dire, bah, ça va pas. T'as mis trois énergies plantes alors qu'il faut deux énergies plantes et une énergie incolore. Oui, certes que, pardon, sauf que les énergies incolores dans les cartes, quand on les joue, compte pour n'importe quelle énergie. Donc là, si je mettais plante, plante, feu, bah il pourrait attaquer avec corne super puissante. Voilà. Donc énergie incolore, ça, on peut mettre n'importe quel type d'énergie. Je vous déconseille juste pour un Pokémon de mettre une énergie feu, sinon vous allez galérer. Et en plus, je vois pas vraiment l'intérêt de mettre une énergie feu dans un deck de type plante. Bon, là, on est arrivé à 44. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter deux énergies en plus, vu que je viens de vous dire pour le coup de retraite. Donc là, je rajoute deux énergies supplémentaires, comme ça on pourra faire un coup de retraite. On aura un petit peu de marge dans le nombre d'énergies. Maintenant, on est à 46. Alors là, j'ai sélectionné quelques cartes dresseurs, supporters et stades. Donc, Pierris, attendez, je vais compter d'abord. On a 46, donc il en faut 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord, donc je vais en prendre une dernière qui est dans ma boîte. Bon, celle-là, on va éviter de la faire tomber. Bon, je sais pas. Bon, voilà. Alors, on va éviter de la faire tomber. Et on va en prendre une qui nous paraît bien. Ah bah parfait. Tout à l'heure, juste avant, je vous ai parlé du coup de retraite. Bah, je vais rajouter celle-là. Alors, j'ai pris la poche de course. Alors, je vous invite, parce que là, la vidéo elle commence à être un peu longue, à mettre une pause sur la vidéo et à lire ce que ça veut dire. Je vais juste vous dire les noms des objets, supporters et stades. Alors, je vais quand même vous dire outil Pokémon, ça s'attache à un Pokémon. Alors, bien sûr. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je refasse un deck ou si je vous explique quelque chose sur plutôt comment dire l'explication pour jouer au JCC, au jeu de cartes à collectionner. Voilà,
Donc si vous oubliez comme ce que c'est outil Pokémon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de prendre plusieurs de vos commentaires pour faire une vidéo. Voilà, ce serait sympa. Donc là, poche de course. Pierris. J'aimerais que vous voyez bien. Bon. Pierris. Tampon de réinitialisation. Ça fait 3. Flo. Ceinture agitée. Je suis désolé pour la. Si vous voyez pas bien les écritures. Le pic venin. Aussi un outil Pokémon. Réserve naturelle du paradis Aether. Je sais pas si je le dis correctement. Ça, c'est un stade. Pareil, si vous voulez savoir à quoi sert un stade, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'en tiendrai compte pour une prochaine vidéo. Casque choix. Piège de Koga. Haltère de culturisme. Ça, c'est aussi un outil Pokémon. Je crois que j'ai oublié de vous en dire un ou deux. Je sais pas. Vu que je vous disais les noms, j'ai peut-être. J'ai oublié. J'en ai peut-être zappé un. Échange. Repousse. Professeur Forbes. Et pour finir, Tilly. Celle-là, même si vous voyez pas très bien, je pense que vous arrivez à deviner. Piocher 3 cartes. Donc voilà, je suis encore désolé pour la qualité des cartes, enfin pour la qualité d'image. Pour les écritures des cartes, si vous voyez pas très très bien, vous voyez mieux ici. Alors je vais peut-être vous les repasser. Ouais, je vais vous les repasser, sans le dire le nom. Voilà. Pareil, j'ai vu les états spéciaux. N'hésitez pas à me le dire. Bon, voilà. À me demander ce que c'est et à me dire comment on s'en sert dans un combat. Ce que ça apporte aux Pokémon durant un combat. Et voilà la dernière. Donc voilà. Alors, et si je compte bien, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Et on était arrivé à 46 tout à l'heure. Donc, je vais bien mettre de côté mes énergies plantes. Et donc, si vous faites le calcul, 14 plus 46, ça fait 60. C'est bien. Le nombre de cartes qu'il y a dans un deck. J'ai mes familles, mes énergies. Il me reste plus qu'à mélanger. Hop. Et voilà, un beau deck plante de 60 cartes prêt à être utilisé au combat. Voilà, alors n'hésitez surtout pas à lâcher un petit commentaire si vous voulez plus de renseignements sur un point en particulier ou si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu et pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, juste avant de quitter ma vidéo. Je vais mettre le deck plante dans la boîte Zygarde. Allez, c'était Sacha Nobis. À plus pour une prochaine vidéo.